La nouvelle alliance sera celle qui. Après, bon, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est la nouvelle. Alors, quels sont les différents points de vue de la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, de toute façon, Jérémie dit clairement, avec la nouvelle alliance, on ne pourra plus désobéir aux ordres, aux commandements de Dieu. Pourquoi il y a des gens qui désobéissent? Parce que la nouvelle alliance n'est pas encore entrée dans les murs, par exemple. Elle a peut-être pas, c'est peut-être un projet, une prophétie, qui n'a peut-être pas encore été réalisé. Peut-être tout le monde n'a pas encore accepté. Tout le monde l'a pas encore respecté. Oui, il ne s'agit pas d'accepter. La nouvelle alliance, elle ne s'accepte pas. Elle se subit. Oui, mais après, il y a des gens après, qui sont il peut y avoir aussi des gens qui malgré tout, il peut y avoir une obstination dans une personne. Non, je ne veux pas. Voilà, pourtant, voilà, c'est quelque chose de manifeste, mais il peut y avoir des gens qui... La nouvelle alliance actuellement, elle implique que les gens soient déterminés. Si ce n'est pas le cas, c'est que la nouvelle alliance n'a pas encore eu lieu. C'est aussi simple que ça. Soyez cohérents. Elle n'a pas eu lieu, donc si elle n'a pas eu lieu, ben les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. À moins que la nouvelle alliance ne concerne que... Excusez-moi. À moins que ça ne concerne...